de ma joie. Alléluia. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Leur refuge au temps des grandes guerres.
road to Calvary. Let's continue to worship the Lord this morning. The power of the cross. Oh, to see the dawn.
Notre Saint Dieu Tout-Puissant, nous bâillons louange avec gloire, Seigneur, parce que vous faites pour nous l'impossible. Lorsque nous t'es perdu bien loin de présence où le nous t'a vivre, Seigneur, dans la rébellion, dans le péché nous yo, où t'es allé, où descend, Seigneur, viens prendre nous, côté nous t'es dans la boue péché, où laver nous, où rendre nous purs, de sorte que, Seigneur, nous sommes capables de camper la présence aujourd'hui. Seigneur, pas gain expression dans le langage nous, pour nous exprimer gratitude nous, remerciement nous envers vous, pour ça que vous faites pour nous. Nous disons merci, Seigneur, pour grand amour que vous manifestez envers nous des pécheurs. Nous-mêmes qui étions sans espoir, Seigneur, vous faites nous venir héritiers avec vous. Nous demandons où t'en prie, Seigneur, pour que la vie nous capable d'un reflet de ce que vous êtes. Fais-nous marcher, Seigneur, d'une façon que Christ capable visible dans la vie nous. Nous demandons où t'en prie, prends place parmi nous matin. Permettre que ce Saint-Esprit qui va animer nous, afin que tout ça nous fait dit là, Seigneur, est capable de porter gloire à vous-même et à vous-même seul. Nous demandons de prendre direction service en Seigneur, bénir communion nous ensemble matin, et permettre au Dieu que ça vous va gain pour dire nous matin, Seigneur, il va tomber dans des cœurs qui préparés, et nous va prendre et servir au Seigneur, pour nous capables de glorifier dans la vie nous chaque jour. Nous prions comme ça, dans le nom de Jésus-Christ, notre seul et unique Sauveur, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin. Car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Toujours debout, nous va faire la lecture de la parole de Dieu dans le psaume 92. The reading of the word is found in Psalm 92. Et nous va lire alternativement. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth au son de la harpe. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel. Que tes pensées sont profondes. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. «
car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ensemble, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'a point en lui d'iniquité. Amen. Bienvenue dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions bon Dieu encore matin hein, pour grâce li en faveur nous, li a une opportunité pour nous capables venir adorer li matin dans le sanctuaire là en esprit et en vérité. Nous voulons saluer toute l'église mais matin hein, de façon spéciale, nous voulons saluer toutes amis visiteurs qui là matin pour la première fois. C'est avec joie que l'église là matin voulait adorer le Seigneur ensemble avec vous-même. Et déjà nous invitez-vous à faire de l'église baptiste du tabernacle à l'église PAO. Soit visiter nous pendant quelques temps, vous avez venu membre, nous prêts à recevoir ou prêts à avoir une information comment capable venir membre de l'église baptiste du tabernacle. Et jusqu'après service là, nous avons un ministère d'accueil et d'intégration qui est déjà préparé pour rencontrer avec vous-même amis visiteurs dans une salle spéciale. Là, si vous avez une question relative à ministère l'église là, vous êtes capable de poser question ça et vous avez une possibilité tout rencontrer avec certains de nos pasteurs dans l'église là. Nous voulons encourager tout à suivre le service du tabernacle là, dans la télévision. Sur la radio et dans internet nous là au capable aller sur website l'église là et au capable joindre message même qui prêchait chaque ici à chaque dimanche et nous voulons saisir opportunité ça tout pour saluer tous nos amis qui suivre service là matin en direct soit qui pas capable déplacer ou bien qui a trouvé de très loin. Matin, laissez-nous dire, nous, quand on gagne, on branche sur le website l'église là et que service matin est capable de source de bénédiction pour vous-même. Nous encourageons tout à venir participer dans l'étude biblique
que nous gagnons pendant les week-ends, chaque vendredi soir et chaque samedi matin, nous gagnons étude biblique ici. Nous voulons encourager ou à partager numéro de téléphone si vous changez, ou même qui membre l'église là surtout. Faire nous connaître numéro de téléphone de façon à ce que si gagne aucun message pendant saison hiver là et que gagne activité l'église là qui a affecté ou capable joindre message que pasteur yo même yo va quitter sur voicemail ou ce qui après avec activité l'église là pendant saison snow emergency. Nous continuer à prier bon Dieu pour nos bien-aimés qui a souffrir l'encore yo ça qui malade jusqu'à présent qui pas capable venir à l'église. N'a pensé matin à sœur Anne-Marie Bossico, la mère de sœur Edith qui est malade. N'a pensé à matin à sœur Wesh, sœur Riziane Wesh qui malade et qui mandait l'église capable prier pour lui pour qu'on capable ensemble avec nous-mêmes. On a continué à prier pour frère Jean Toussaint, que bon Dieu a pas touché lui, a gagné des progrès qu'a fait au niveau médical dans la ville. Demandez nous capable de continuer à prier pour lui de façon bon Dieu va continuer un miracle dans la ville. Prier pour la mère de sœur Ginelle François, c'est sœur Marie François qui est malade, qui était subi un stroke. À prier à ce que bon Dieu lui-même est capable de toucher lui à côté lié à matin. Nous avons plusieurs ministères qui ont des activités pendant le mois de février qui rentrent vendredi prochain à partir de 7h du soir. Nous avons Jeunio, Youth Ministry, qui a un moment spécial samedi qui va 13 février. Ministère des hommes abtient tout. Bien aimés frères, nous, chaque deuxième samedi dans le mois, nous rencontrons ici à partir de 7h pour une réunion de prière. Nous demandons à tous, bien aimés, les frères, pour capables faire le déplacement samedi prochain à partir de 7h du matin. Ministère des femmes, dimanche prochain, qui va 14 février, à partir de 6h, il y aura un programme spécial pour toutes sœurs qui pour qu'on marie. Ministère des enfants pour semaine de vacances que vous va gagner dans le mois de février que pas gagner l'école Boston Public School. Ministère des enfants va avoir un programme pendant toute semaine là ici pour nos enfants de lundi 15 février jusqu'au vendredi 19 février. Là dans tout va gagner un field trip qui que vous va faire avec Timon Nouyo. Et l'heure que vous va rencontrer ici à partir de lundi 15, c'est va 8h30. Vous va ici à de 8h30 jusqu'à 3h du lundi 15 au vendredi 19 février pour période semaine de vacances pour l'école. Yo. Nous accueillir matin Cornélie Joseph qui était recevoir Jésus-Christ pour maître et sauveur la semaine dernière, c'est un jeune ministère des enfants. Cornélie Joseph, qui était accepté Jésus-Christ pour maître et Seigneur, va prier à ce que bon Dieu va permettre lui marcher sur route de croissance spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Encore une fois, dans moins de deux mois, l'église baptiste du tabernacle éprouvée par le deuil. Cette fois, c'est notre sœur Asiana Joseph qui est partie pour l'éternité pour être à la rencontre de son maître. La sœur Asiana Joseph, c'est la maman de yon diaconesse dans l'église là, la sœur Ghislaine Bousseau et la grand-mère de la sœur Fabiola Bousseau. Nous avons demandé l'Église entière capable de répondre à la devise que le Seigneur mandait pour nous appliquer, pour nous réjouir nous avec ceux qui se réjouissent et aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Nous avons eu l'opportunité pour nous faire ça week-end qui va venir.
nous ne pouvons pas gagner aucune activité dans vendredi soir. Et nous ne pouvons pas gagner week non plus. Et samedi matin, de préférence, nous attendons toutes à 8h30 pour nous capables rencontrer la famille et témoigner de support nous et sympathie nous à l'égard de Sœur Ghislaine Bousseau et Sœur Fabiola Bousseau. Nous attendons l'église pour nous capables de faire un effort particulier pour nous là à l'heure depuis 8h30 pour nous capables de supporter famille non et passer un petit temps ensemble avec eux avant service là commencer et pour nous capables adorer le Seigneur ensemble en célébrant la vie de notre bien-aimée sœur qui est avec le Seigneur. Donc nous capables de compter sur nous comme nous toujours fait, nous toujours montré support, nous toujours manifesté compassion et sympathie et nous demandons pour capable faire même bagarre là pendant week-end si là. Nous pas gain étude biblique vendredi soir, c'est pour permettre qu'on capable venir vendredi samedi matin très tôt 8h30 pour nous capables non seulement célébrer la vie de notre sœur ensemble, mais manifester support fraternel à l'égard de sœur Ghislaine Bousseau et la sœur Fabiola Bousseau. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous demandons capables de tourner à droite et à gauche et dire bonne adoration à frères et sœurs qui sont autour de vous. Ensemble.
Seigneur éternel, notre Dieu, avec des cœurs reconnaissants, nous nous approchons autour de cette table où nous trouvons les éléments qui nous rappellent ce grand sacrifice que ton Fils Jésus-Christ a consenti à notre place. Si nous sommes en paix aujourd'hui, c'est parce qu'il a pris sur lui notre châtiment. Si nous sommes guéris aujourd'hui, c'est parce qu'il a accepté de prendre sur son corps les meurtrissures qui devaient tomber sur nous. Merci Seigneur pour cet amour manifesté à la croix. Et nous te prions Seigneur qu'en commémorant ce grand sacrifice, nous puissions vivre à l'instar de l'apôtre Paul pour dire que nous avons été crucifiés avec Christ, que si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui, disant, il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés le gériait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité. » Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, Jésus baissa la tête et il expira. I was so lost, I should have died.
Jésus prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps rompu pour vous. Mangeons ce pain en nous rappelant les meurtrissures endurées par Christ sur la croix pour nos péchés. » Notre Seigneur et notre grand Dieu, Agneau de Dieu, désire-nous pour nous sembler avec vous parce que vous êtes rendu possible à la croix pour nous. Nous voulons remercier au Seigneur pour ce si grand privilège pour nous approcher nous autour de cette table pour nous communier avec vous et communier l'une avec l'autre. Nous rendons action de grâce à vous, Seigneur, parce que vous êtes consenti pour te prendre sur vous-même, péché nous. Vous êtes consenti pour te souffrir pour que nous-mêmes nous soyons capables libres. Nous prions, Seigneur, que vous êtes capable de visiter chacun de nous matin et aidez-nous pour ne pas manger ni boire un jugement contre nous, mais plutôt, Seigneur, ayons une bonne relation avec vous et l'une avec l'autre. Nous sommes capables de continuer à réfléchir sur marche-nous avec vous. Et chaque jour, cher Seigneur Dieu, nous sommes capables des éléments qui transforment et transforment à salut. Et ça, qui pas un privilège pour participer, Seigneur. Nous pensons à vous également et nous demandons à vous. D'ailleurs, un toucher spécial afin que, Seigneur, chacun de nous soit capable d'un privilège ensemble pour nous participer dans la Sainte Communion. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Il prit ensuite une coupe et dit, « Ceci est mon sang, le sang de la Nouvelle Alliance. Buvons ce vin en nous rappelant que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. » L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu roindules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Brothers and sisters in Christ, may the grace and the peace of God be with you all. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun de vous. Would you please open your Bible with me to the book of Daniel? Souka tourner bibou avec moi dans le livre de Daniel. We'll go to chapter 5. Nous allons aller au chapitre 5. We will consider verses 1 through 24. Nous va considérer verset 1 au verset 24. But we'll be reading right now from verses 18 to 24. Mais nous va commencer lire à partir du verset 18 au verset 24. Let us read the word of God, Daniel chapter 5, verses 18 to 24. On nous lit la parole de Dieu dans Daniel chapitre 5, verset 18 au verset 24. O King, the Most High God gave Nebuchadnezzar, your father, a kingdom in majesty, glory, and honor. And because of the majesty that he gave him, all peoples, nations, and languages trembled and feared before him. Whomever he wished, he executed. Whomever he wished, he kept alive. Whomever he wished, he set up. And whomever he wished, he put down. But when his heart was lifted up, and his spirit was hardened in pride, he was deposed from his kingly throne, and they took his glory from him. Then he was driven from the sons of men. His heart was made like the beasts, and his dwelling was with the wild donkeys. They fed him with grass like oxen, and his body was wet with the dew of heaven, till he knew that the Most High God rules in the kingdom of men, and appoints over it whomever he chooses. But you, his son, Belshazzar, have not humbled your heart, although you knew all this. And you have lifted yourself up against the Lord of heaven. They have brought the vessel of his house before you, and you and your lords, your wives and your concubines, have drunk wine from them. And you have praised the gods of silver and gold, bronze of iron, wood and stone, which do not see or hear or know, and the God who holds your breath in his hands and owns all your ways, you have not glorified. Then the fingers of the hand were sent from him, and this writing was written. O roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence.
Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il donne à ceux à qui il lui plaît. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous tous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Prions le Seigneur. Jesus' name. Amen. Last October, I testified before the Massachusetts legislature. Le mois d'octobre dernier, moi j'ai gagné un privilège pour parler avec les législateurs de Massachusetts. I did so on the invitation of Massachusetts Family Institute. C'était sous invitation de Massachusetts Family Institute. Whose legal counsel you know twisted my arm to go and testify. Que comme on connaît, un représentant, avocat représentant, était encouragé pour m'aller. I testified against a bill called
the transgender bathroom. Moi te l'aller pour te parler contre yon bill que yo gagne qui pour des transgender monde de sexe. This bill will require all public facilities. Bill ça c'est un bill qui a exigé que toutes facilités toutes toilettes publiques including churches qui aussi même dans l'église according to the US Attorney General qui selon avocat qui représentait les États-Unis to have transgender bathroom pour être capable d'avoir une toilette qui de sexe uni. A bathroom that would accommodate those who for some reason decide not to live according to the gender they were born or created with. Pour un genre de toilette qui pour accommoder ça yo qui choisit pour yo pas vivre selon sexe que ont été fait, soit garçon ou bien fille qui voulait changer de nature. So if a man wakes up this morning and decides he no longer wants to be considered a man. Alors si un homme t'a levé matin hein, et puis il décide bon le pas vle pour le garçon encore. This man should be able to enter the same bathroom as your 8-year-old or 12-year-old daughter. Selon loi ça, ti jeune garçon ça doit rentrer dans toilette ti petite fille ou là qui gagne 8 ans côté li pral besoin pour toilette. He could disrobe and do whatever in that bathroom while your 8 and 12-year-old daughter is there at the same time. Et s'il voulait, il est capable de retirer les souliers là devant ti petite toi, ti petite fille ou là qui dans toilette ti mesdames yo côté pour yo changer. Obviously there are many things wrong with such a bill if it ever comes become law. Comme vous pouvez réaliser, il y a un pile bagaille qui pas droite dans bill ça si toutefois il est arrivé passé. However, when I testified, I made clear why, as a minister, I oppose such a bill. Cependant, l'homme était là pour être capable de répondre à ça. Il m'a montré pour qui raison, en tant que pasteur, que m'opposer à une telle décision. It would violate our moral and spiritual convictions. C'est que l'a violé convictions morales et spirituelles nous. And I made the point that, as a church, everything that's part of the church has been dedicated to the Lord. Et moi t'ai souligné le fait que en tant qu'église tout ça qui est dans la congrégation, tout ça qui est dans l'église là, l'est dédié au Seigneur. Beginning with the parking lot and the utensils and everything that is in the property of the church. Et cela a commencé depuis dans le parking lot là et toute bagaille ustensile qui est utilisé dans l'église là. And I made sure I made that point and I'm glad they kept it in the archives. Et moi t'ai fait sûr que moi t'ai souligné point ça, bien content yo qu'un belin archive yo. To ask the church to accommodate a lifestyle that is condemned by the word of God. Pour demander l'église pour capable condamner un style de vie que la parole de Dieu aussi l'y condamné. Would invite us to commit a sacrilege. Yo bagay qui t'a aussi vin inviter nous pour nous commettre un sacrilège. Because everything that we have must be consistently used according to the doctrine and the biblical beliefs. Parce que tout ça nous possédons, il doit utiliser selon doctrine nous et selon principe biblique nous. Thank God the first part, the first presentation of that bill was defeated. Gloire soit rendue à Dieu, il a été présenté bill là pour première fois, il était perdu. But they're still working hard on it. Mais ils continuent à travailler pour faire bill là passer. So I'm in passing, I'm asking you to continue to pray and also act against such a bill. Alors en passant, m'a demandé pour continuer prier contre un tel bill et aussi pour faire devoir civique ou contre une telle décision. Before December 2004, avant décembre 2004, this place 575 American Legion Highway, lieu ça à côté nuit là 575 American Legion Highway, was a Verizon building. C'était un bâtiment qui était gagné la dernière Verizon. They had all kind of electronic equipment. Ils ont gagné la dernière tout équipement électronique. And this place that we call now our sanctuary was just a car garage. Et ça, côté nous chita là, qui nourrit les sanctuaires, non, c'était un parking pour machines. But after December 14, 2004. Mais après 14 décembre 2004. It has become Tabernacle Baptist Congregation. Lieu ça a été transformé en congrégation de l'église baptiste du Tabernacle. A place dedicated to the worship of the Lord. Un lieu dédié au service du Seigneur. It has become holy ground. Il était devenu un lieu saint. A place set apart to worship the Lord and to minister to his people. Y ont lieu mis à part pour capable adorer le Seigneur et aussi pour un ministère dans la vie de son peuple.
And to maintain the integrity of the sacredness of this place. Et aussi pour maintenir l'intégrité ou le sacré de ce lieu. We have turned down offers that would have great financial incentive for the church. Nous refuser toute offre que au bail qui était capable bail en pile avantage financier pour l'église là. In order that this place will be set only for the Lord. Juste pour nous capable assurer nous que ce lieu est consacré entièrement au service de Dieu. It's not just a parking lot. Et c'est pas juste yon parking pour machine parquet. It's not just a building. C'est pas juste yon bâtiment. It's not just tables and chairs. C'est pas juste ça, c'est table, c'est chaise. It is holy ground where we worship the Lord. C'est un lieu saint côté nous adorer le Seigneur. To use this facility in any other way would be sacrilegious. Pour utiliser lieu ça dans n'importe quelle autre façon que ça nous dit, c'est un sacrilège. So we have before us how God reacts to a sacrilege. Alors nous gagnons devant nous comment Dieu lui réagit lorsque il y a un sacrilège qui prend place. And how we should do well to maintain sacred everything that has been dedicated to the Lord. Et comment nous devons prendre précaution pour nous maintenir le sacré de bagaille qui est dédié à Dieu. God takes anything that is offered to him, dedicated to him, seriously. Bon Dieu prend toute bagaille qui offrit et dédié à lui-même très au sérieux. No longer for your use, for your pleasure. C'est pour question de prunier, c'est pour plaisir ou c'est pour utilité ou. No longer for your personal interest. C'est pas pour intérêt personnel ou encore. It must be used uniquely for the glory of God. Prunier lui doit utiliser clairement pour la gloire de Dieu. But Belshazzar did not understand that. Mais Belshazzar lui-même, il ne peut pas comprendre ça. Belshazzar was a king in Babylon. Belshazzar c'était roi sur Babylone. Who was he besides being a king? Bon, qui est-ce lié autrement que l'était un roi? If you read verses 11, 18 and 22, si on lit à partir de verset 11, verset 18, verset 22, we find that it is indicated that he was the son of Nebuchadnezzar. On va réaliser que c'est que lui c'était le fils du roi Nebuchadnezzar. But if you are a student of history, mais si vous êtes étudiant de l'histoire, and if you also read certain other portions from scriptures, et si on lit d'autres portions des écritures, you find that it is inconsistent. Ou à réaliser que il y a une inconsistance dans sa audia. Because he was not directly the son of Nebuchadnezzar. Parce que il pas était directement le fils de Nebuchadnezzar. Nor was he the immediate successor of Nebuchadnezzar. Mais non plus tout, c'est pas lui-même qui était immédiatement remplacé Nebuchadnezzar comme roi. In fact, according to history, Nebuchadnezzar was his great grandfather. En fait, selon l'histoire, Nebuchadnezzar c'était son grand-père. Now, before you jump to the conclusion and say that there is contradiction in the word of God. Alors avant même pour t'arriver dit que gain les contradictions dans la parole de Dieu. Let me clarify that it is customary to call a grandfather a father just as we do even in our culture. Qui dit seulement de souligner pour que c'est toujours de coutume que aurait le grand-père papa. And that can be used in the sense of your ancestor. Eh bien, ça capable aussi utiliser dans le même sens pour parler des ancêtres. One example that we have in the word of God is in Genesis chapter 32 verse 9. Un exemple que nous gagnons dans la parole de Dieu, c'est Genèse 32 verset 9. We know very well that Jacob was the son of Isaac. Nous connaissons Jacob, c'était le fils d'Isaac. But Jacob himself referred to Abraham as his father. Mais pourtant Jacob en parlant référait à Abraham son père. He was talking about that the seed that he come from. Il a parlé de descendance. So in the same sense Daniel is telling us that Belshazzar was the seed of Nebuchadnezzar. Dans le même sens là, Daniel a rapporté pour nous que Belshazzar c'était descendant de Nebuchadnezzar. He wanted to establish the lineage of his throne. Il était seulement voulu établir ligne de royaume monsieur. And the context supports why. Et puis contexte a aussi supporté raison. Because Belshazzar was somebody who was oblivious to what has happened to Nebuchadnezzar. Parce que Belshazzar c'est pas un homme qui pas connaît qui ça t'a passé Nebuchadnezzar. He knew very well what happened to Nebuchadnezzar. Il était connaît très bien ça qui est arrivé à Nebuchadnezzar. And it was on that basis that God's judgment was going to fall upon him. Et c'était à la lumière de cela que le jugement de Dieu t'a pas tombé sur lui. Now just to refresh your memory. Alors juste pour rappeler où
In 585-86 BC, en 585 avant Jésus-Christ, the city of Jerusalem fell under the Babylonian army. La ville de Jérusalem était tombée en bas l'armée babylonienne. Under the command of Nebuchadnezzar. Sous le commandement ou bien la direction de Nebuchadnezzar. The children of Israel were taken captive to Babylon. Les enfants d'Israël étaient allés captifs à Babylone. They were slaves in an idolatrous country. Ils étaient devenus esclaves dans un pays idolâtre. And as we learned that their faith were challenged over and over. Et comme nous t'apprenons, foi yot et vignon challenge. Daniel, Shadrach and Abednego stood out as those who held true to their convictions. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient vrais à conviction yo. When Nebuchadnezzar invaded Jerusalem, lorsque Nebuchadnezzar a envahi Jérusalem, not only he took the children of Israel in captivity, non seulement il prend les enfants d'Israël en captivité, but he entered the temple, the great temple built by Solomon. Mais il est aussi entré dans le temple bâti par Salomon. And he took the vessels of the temple. Et il prend tout ustensile qui était dans le temple là. Those vessels were precious. Ustensiles sérieux, c'était des ustensiles très précieux. They represented worship for the children of Israel. Représentaient un élément d'adoration pour les enfants d'Israël. They were instruments of worship. C'était des instruments d'adoration. By taking those vessels to Babylon, mais lorsque Nebuchadnezzar prend instruments ça a mené dans Babylone, he was showing that he not only conquered the people, but he also conquered the God they were worshiping. Il voulait montrer que non seulement il prend en captivité, mais c'est comme s'il aussi prend Dieu en captivité. So he took them and placed them in his pagan temple when he get to Babylon. Alors il prend ustensiles ça placé devant le dieu idole dans Babylone. But besides that, there is nothing that is mentioned about misusing those vessels. Mais à part de cela, il y a pas dit nous que il était mal utilisé ustensiles. They were preserved until now. Il dit nous que il était préservé jusqu'à ce moment. Belshazzar was a party animal. Belshazzar, bon, c'est un homme qui te comprend en plaisir. He likes to display his wealth and his pleasures among all the nobles of Jerusalem, of Babylon, rather. Qui te remet prend plaisir, et puis montrer mon tout les biens qu'elle possédait, toute largesse, lui, parmi les grands de Babylone. So he invited all the nobles, all the big shots were there. Alors, il a invité les nobles, tous les grands, il a invité eux pour venir. All his women and concubines were present. Et toute madame, toute concubine, il a invité toutes pour venir. And it was in that moment. Et puis c'était à ce moment. That he was going to experience the nightmare of his life. Que il pral faire expérience de cauchemar qui pral dominer toute la ville. Not because Jesse was just partying. Non, c'est pas parce que il était seulement à prendre plaisir. But he was doing so at the expense of the glory of God. Mais il a fait ça au détriment de la gloire de Dieu. So let's look at verse 1. Alors, on regarde chapitre 5 verset 1 à 4. And see what he did that was so disgusting to the Lord. Et puis regardez bien pour ça Belshazzar t'a fait qui t'a indigné le Seigneur. Belshazzar the king made a great feast for thousands of his lords. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000. And drank wine in the presence of the thousands. Et il but du vin en leur présence. While he tasted the wine, pendant que Belshazzar eut goûté au vin, he gave command to bring the gold and the silver vessel which his father Nebuchadnezzar taken from the temple. Fit apporter les vases d'or, d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. That the king and his lord, his wife and his concubines might drink from them. Afin que le roi, ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servent pour boire. Then they brought the gold vessel that had been taken from the temple of the house of God. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de Dieu. And the king and his lord, his wife and his concubines drank from them. Le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. They drank wine and praised the gods of gold and silver, bronze and iron, wood and stone. Ils burent du vin et ils louèrent leurs dieux, les dieux d'or, d'argent, d'airain et de fer, de bois et de pierre. If you read Leviticus chapter 18, souligne en chapitre 8, and Exodus chapter 40, et ensuite Exode chapitre 40, those vessels were anointed with oil. Ou a réalisé que ustensiles sérieux, y était loin, loin y avec l'huile. It was a
a way of setting them apart for divine service. C'était un acte qui te voulait dire que tu mettais lui à part pour le service divin, pour le service de Dieu. So now you can understand what a sacrilege it was for Belshazzar to introduce them into his party and to drink from them. Alors, qu'à comprendre comment ils sont sacrilèges pour Belshazzar prend un ustensile sacré, ça y est, pour l'introduire dans fête pour mon lieu capable boire du vin. A sacrilege is a disrespect of something that is sacred. Par définition, sacrilège, c'est manque de respect pour un bagage qui est sacré. It's the misuse of something that was dedicated to the Lord's service. C'est mauvais usage de un bagage qui était déjà dédié au service de Dieu. In other words, to steal whatever was sacred about that. En d'autres termes, c'est retirer le sacré qui était dans la donne. And use it for your own pleasure. Et puis pour utiliser pour propre plaisir. For your own interest. Pour propre intérêt. Ou, for your own personal gain. Pour propre besoin personnel. Ou, and to dishonor God. Et puis pour déshonorer Dieu. When you do so, l'on fait ça, you invite God's judgment to fall upon you. Ou inviter le jugement de Dieu pour tomber sur. And those who think God doesn't pay attention to those things. Et moun qui pense que bon Dieu pas prêter attention à bagay sa yo. That you can use God's instruments any way you want. Qui pense qu'on capable utiliser les choses de Dieu n'importe j'en voulez. You can play with worship any way you want. Ou pense qu'on capable jouer avec adoration j'en voulez. You can use the things that were served to worship the Lord and honor His name. Ou capable jouer avec bagay qui te dédié à Dieu. You better think again and pay attention to this account. Vous besoin penser une deuxième fois et ensuite prêter attention à passage ça. We live in a very insensitive society. Na vive dans une société qui vraiment insensible. Nothing is sacred anymore. Le sacré ça pas existé encore. Marriage has been desecrated. Mariage bagaille qui méprisé. The name of the Lord is held in disregard. Le nom de Dieu passé au mépris. People can joke about sacred things. Moun capable passer bagage sacré dans jouet. Anybody can come to church and do anything that they want. N'importe moun qui doit venir l'église et puis faire ça ou vle. The pulpit is used as a political or fundraising platform. Chair là utilisé comme une plateforme pour faire activité politique. The instrument that should be used for worship has been turned into entertainment purposes. Instrument qui t'a supposé utiliser pour adoration, les tourner pour un bagage pour faire mon plaisir. The microphones are used to let people have a good time and tell them or sing for them whatever they want. Microphone non qui t'a dû utiliser pour chanter la gloire de Dieu, utiliser pour faire mon plaisir ou bien dire ça vous voulez. Nothing is sacred anymore. Le sacré, c'est comme si ça pas existé encore. If it's not sacred in your eyes, il est pas sacré devant Dieu. It is still sacred in the eyes of a holy God. Mais songez que il était toujours sacré aux yeux de Dieu saint. Let me say that again. Qui t'aime répéter ça pour? Because more people should say amen. Parce que amen non doit plus fort. It is the truth. Parce que ça c'est vérité. You're not saying amen to me. Ou pas dire amen pour femme. You're saying amen to the truth. Mais on dit amen parce que c'est une vérité. If it is not sacred in your eyes. S'il est pas sacré devant Dieu ou. It is still sacred in the eyes of God. Songez devant Dieu, mon Dieu, son bagage sacré que le retient. And God will not allow anybody to make a mockery of himself. Et bon Dieu pas permettre à personne monde pour yo prendre non lui pour yo faire moquerie avec. Anything that is used for ministry purpose. Toute bagaille qui est utilisée pour raison ministérielle should respect the integrity and the sacredness of that instrument. Il doit respecter l'intégrité et le sacré de l'instrument ça. Of that place. De lieu ça. For the glory of God and his glory alone. Pour la gloire de Dieu et pour sa gloire seule. The book of Hebrews called those objects vessels of ministry. Le livre des Hébreux relait instruments ça yo ustensiles ministériels. It's no longer just a chair. C'est pas juste yon chaise. It is no longer just a pulpit. C'est pas juste yon chair. It's no longer just a guitar or a piano. C'est pas juste yon guitare, yon piano. It's no longer just a van. C'est pas juste yon bus.
those are vessels of ministry. Ça, c'est instrument de ministère. And we should use them only for that purpose. Et nous devons utiliser seulement à cette fin. For the glory of God. Pour la gloire de Dieu. And the ministry of to His people. Et pour le ministère de ses enfants, à ses enfants. But people who have no fear of God. Mais monde qui pas gain aucune crainte pour Dieu. Think they can play with those things for their personal advantages. Ils pensent que ils jouent avec bagage ça yo pour avantage personnel. And they think they can do so with impunity. Et puis ils pensent qu'ils peuvent faire ça sans pas gain pièce. Prix à payer pour ça. Belshazzar was a proud man. Belshazzar, son homme qui était fier de tête. He had no regard for anything or for anybody. Il n'a pas de égard pour rien ni pour personne. He had no regard for anything that was sacred. Il n'a pas de égard pour rien qui était sacré. And when you are so proud, et lorsque vous êtes si arrogant, when you think you can misuse God's instruments, lorsque vous pensez qu'à utiliser malement les choses de when Dieu, when you think you can make a mockery of God, lorsque vous pensez qu'à passer Dieu dans jouette, God will make a mockery of you. Et Kounia, bon Dieu pourra le faire que c'est au même qui vient jouer là. Because when we turn to verse 5. Parce que l'arrivée au verset 5 dans texte là. Then in the same hour. Vous remarquez, il dit en ce moment. Not 2 hours later. Il pas dit c'est 2 heures plus tard. Not a year later. Il pas dit c'est une année plus in tard. In the same hour that he committed this sacrilege. Il dit en ce moment quand il te commet de tels sacrilèges. The fingers of a man hand appeared and wrote opposite the lampstand of the plaster of the wall. Apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier. He was a proud man. C'était un homme qui était fier de tête libre. He was a very powerful man. C'est un homme qui était plein de puissance. But look at verse 6. Mais regardez verset 6 là. You can be as proud as you want to be. Aussi arrogant que t'as voulu. You may think that you are powerful. Ou capable de penser qu'au plein de pouvoir. Until you face God's judgment. Jusqu'à ce que vous arrivez tomber devant le jugement de Dieu. Your power. Puissance ou your means. Moyen ou yo. Your wealth. Bien ou yo. Your intellect. Intelligence ou. Are nothing before God. Yo pas rien devant mon Dieu. Unless you learn to submit who you are. À moins que vous apprenez pour soumettre ça où y a. And what you have. Et ça où possédez a. And to acknowledge if you have any privilege at all is by the grace of God. Et pour reconnaître que si vous jouissez de quelques privilèges, c'est seulement par la grâce de Dieu. When you don't have the fear of God. L'on pas gagné la crainte de Dieu. He will cause you to be afraid. Ça va causer que bon Dieu lui-même va causer que vous tombez dans la peur. When you don't have the fear of God. L'on pas gagné la peur de Dieu. He will cause you to tremble. Il va causer que vous tremblez. Look at what happened to the powerful man. Regardez ça arriver à ce jeune homme si puissant. Verse 6. Then the king's countenance changed. Alors le roi changea de couleur. And his thoughts troubled him. Et ses pensées le troublèrent. So that the joints of his hips were loosened and his knees knocked against each other. Au point que les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se rendirent. The man could not even stand up. N'est-ce pas même qu'à camper. Because you are facing God's judgment. Parce que le roi fait face au jugement de Dieu. Nothing can prevent those fear from coming upon you. Pas rien qui capable empêcher que crainte ça tombe sous. There is no relationship that will prevent those fears to come upon you. Pas de pièce relation qui va prévenir que dont telle crainte pas tomber sous. There is no means that you can use to maintain your composure. Pas de pièce moyen qu'on capable utiliser pour capable sentir capable rester en paix. The king was trembling. What est tombé tremblé. His knees were knocking against each other. He was visibly shaking. Il était visiblement deux pieds tombé secoué. So in his desperation. Et puis dans désespération. And like others have done before him. Comme l'autre t'a fait avant lui. Called the wise men, the astrologers, the Chaldeans. Give me an explanation. I don't know what's happening to me. Lirez les astrologues, les Chaldéens, les devins pour dire bon mon explication parce que je ne sais pas ce qui s'est passé là. But none of them could give him the explanation. Mais ils n'ont pas été capables de donner l'explication.
Verse 9. Quatre verset 9. He was greatly troubled. Il était vraiment effrayé. His countenance has changed. Sa couleur changea. To the point that even those who were on him, what's going on? What's happening with the king? Au point même ça, qui était bon côté, il était troublé pour y demander mais ça qu'a passé. One moment ago, he was that powerful, proud man. Quelque temps, on y quelques minutes de cela, c'était ce jeune homme si fier. He was having a good time. Lui qui t'a prend plaisir lui. You know, sometimes, vous connaissez parfois, when God intervene, les bons dieux intervenir, the party is over. Et qu'on y en fait la fini. You can have all the fun you want. Vous capable prendre tout plaisir vous voulez prendre. You may despise the church. Vous capable mépriser l'église. You may think you don't need even Bible study. Vous capable penser que bon pas même besoin d'études bibliques encore. Until God intervenes. Jusqu'à ce que Dieu fait intervention. And all of a sudden, et tout d'un coup, you are shaking. Et qu'on y a commencé à trembler. Even before those who thought you were all that. Même devant ça, eux qui pensaient que vous étiez campé son bagage. His face grew pale. Et puis figure changée. And he was filled with fears and anxiety. Il était effrayé. Rempli d'anxiété. That's what happens when you fall under God's judgment. C'est ça qui arrive lorsque tu tombes sous le jugement de Dieu. God will put His fear in you. Bon Dieu va mettre crainte en vous. When you fail to fear Him, lorsque tu faillis pour capable manifester crainte pour lui, He will cause you to be afraid. Il va causer que tu tombes dans la peur. You can either fear Him with reverentially, ou capable de façon révérencieuse montrer crainte pour lui, or you will be afraid of His terror. Ou bien qu'on va tomber dans la peur à cause de sa colère. Many years have passed. Plusieurs années passées. Now Daniel is an old man. Et qu'on Daniel avancé en âge. Because there were several successors after Nebuchadnezzar, parce before Belshazzar came. Parce que t'as gagné plusieurs d'autres successeurs après Nebuchadnezzar, avant l'arrivée de Belshazzar. Daniel may be in his 80s now. Peut-être que Daniel a environ 80 ans. Forgotten. Et bon, il oubliait monsieur même. Set him somewhere, nobody talk about him anymore. Il mettait monsieur en côté, bon, personne ne va jamais parler de lui encore. But he was still the man of God. Mais pourtant, il était toujours l'homme de Dieu. He has seen kingdom after kingdom. Lui, ouais, royaume vini, royaume aller. But his testimony remained intact. Mais son témoignage était toujours ferme. He was still the man of God. Il était toujours connu comme l'homme de Dieu. He was the one God was going to use to reveal himself to Belshazzar. C'est lui-même que bon Dieu pourra l'utiliser pour révéler tête lui à Belshazzar. There's a proverb that says you cannot keep a good man down for too long. You cannot keep a good man down for too long. Un proverbe qui dit que vous pas capable de keber un bon nèg à terre pour longtemps. Sooner or later, you'll have to call on him. Sous peu, on va obligé faire appel à lui. Why? Ça fait ça? God is with him. C'est parce que bon Dieu avec lui. And Daniel was such a man. Et Daniel c'était un homme comme ça. He remained loyal to his God. Il était loyal à son Dieu. And still God's instrument. Et il était toujours instrument de Dieu. Upon finding Daniel at the recommendation of the queen. Le revint jeune Daniel sous recommandation de reine, non? The king felt relieved. Et ouah, senti que bon, il est délivré. He quickly acknowledged the incapacity of his wise men to give explanation rapide, to the writing. Il rapidement a accepté incapacité de nom sage Lio, astrologue Lio. And sat now acknowledging who Daniel was. Et puis qu'on y a comme si pour reconnaître qui mon Daniel lui-même lui. Jump to verse 16. Rentrer qu'on y a dans verset 16. And I have heard of you. Il dit, j'ai appris ce que tu peux donner des explications. You can give explanation, interpretation and explain enigmas. C'est que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Now if you can read the writing and make known to me its interpretation. Maintenant si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication. You shall be clothed with purple and have a chain of gold around your neck. Tu seras vêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou. And you shall be the third ruler of the kingdom. Et tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. Big mistake. Gros erreur. You cannot bribe a servant of God. Ou pas qu'à acheter figuier un serviteur de Dieu. That was a big mistake. Ça c'est un gros erreur. The king thought that he could bribe Daniel. Mais ouah pensait que le capable acheter bonne grâce Daniel. He thought he could buy his gifts. Il pensait que le capable acheter cadeau Bali. But Daniel's character was not for sale. Mais caractère Daniel n'est pas là à la vente. Contrary to the false teachers that we have nowadays. Contrairement à faux professeurs que nous gain, faux enseignants que nous gain kounye yo. Those false miracle workers. Moun sa yo qui a performé miracle. Daniel was not about to sell his gifts. Daniel c'est pas vendre ni tap vendre don. Verse 17. Verset 17. Then Daniel answered and said before the king. Et Daniel répondit en présence du roi.
Let your gifts be for yourself. Garde tes dons. It give your rewards to another. Et accorde à un autre tes présents. I will do what God calls me to do for free. Je lirai néanmoins l'écriture roi pour rien absolument. That should be a signal to you. Ça c'est à douer un signe pour moi. Anybody who is asking you to plant a seed in order to get more miracles. N'importe monde qui faut comprendre pour planter yon graine pour capable joindre plus miracle. Anybody who's telling you before you can get anything from God you have to give such amount. N'importe monde qui faut comprendre que avant joindre non bagage mais bon Dieu faut bail temps. Anybody who is selling his gifts in order for his miracle to work for you. N'importe monde qui vend don quelqu'un juste pour miracle il capable travailler pour. That person cannot be from God. Vous besoin réaliser que monde ça lit pas de Dieu. You go out there being seduced by those people. Vous allez dehors ou quitter monde ça séduit. You are making millionaires out of them. Vous faites nèg ça ou vin millionnaire. They are buying you, they are buying your convictions. Il a pas acheté ou il a pas acheté conviction. Under the pretext that they will work miracle for you. Sous prétexte que va faire miracle. You are bringing your money to miracle workers. They pretend to have gifts of miracles. Ils prétendent que ont un don pour faire miracle. They pretend they have gifts of prophecy. Ils prétendent que ont un don de prophétie. They are selling what they have. Ils vendent ça au bout d'yo gain. And you are buying it like crazy. Et puis même pas acheter le temps comme monde qui fou. And thinking that they are true prophets of God. Et vous pensez que gain là c'est vrai prophète de Dieu. A true prophet of God will say. Les vrais prophètes de Dieu mais ça a dit. My gifts are not for sale. Il a dit don mon Dieu ba moyen li pas pour vendre. If I am a prophet of the Lord, si je suis un prophète bon Dieu, I'm going to tell it like it is. M'a dit Jean Lia. Because if I take any gifts from you, parce que si me prend quoi que ce soit dans I may be tempted to say what you want me to say. Qu'a tenter pour me dire ça vle me dire. I may be tempted to do what you want me to do. Qu'a tenter pour me faire ça vle me faire. My gift is to proclaim the word of God. Don gain c'est pour proclamer la parole de like Dieu. It is. Et sous pour dire Jean le doyen, take your money someplace else. Et prends quoi boire mettre le bail l'autre côté. If there were those out there, si gen sa yo ki dehors, who are selling their gifts, kap vann don ke yo gen, if they were true prophet of God, si yo te de vrai prophète de Dieu, they would not do so. Yo pa tap fè bay kòsa. So I'm warning you. Et c'est ça que fait m'ap mettre en garde. Those of you who are doing it, nous-mêmes qui faisons ça, you are encouraging false teachers, qui encouragent les faux enseignants, who are destroying your soul, qui détruisent nos mots, and they are doing so, ils ont fait ça, at the expense of the honor that should be given to God, au détriment de l'honneur qui t'a dû aller à Dieu. You get it? Si nous comprenons. Daniel says, keep your gift to yourself. Daniel dit, kembe cadeau là peut-être tout. Now let me clarify something. Qui t'aime clarifier aussi un bagage. If somebody is gifted to sing, si yon moun genye un don pour le chanter, and that is way of earning a living, et puis c'est avec ça que li vive, he is not selling his gift by asking you to buy a CD. Le li mande ou pour acheter yon CD, c'est pas don la vente. We're talking about those false teachers. N'a parlé de préférence de ces faux enseignants. Who are saying in order for you to get a miracle? Il faut comprendre que juste pour miracle capable fait pour you must give certain amount. Ou doit bailler une quantité d'argent. That's contrary to the word of God. Ça c'est contraire à la parole de Dieu. In verse 18 to 21. Dans verset 18 au verset 21. The portion that we have read for you. Portion que nous t'ai lu là dedans pour vous. Daniel established certain facts about what happened to Nebuchadnezzar. Daniel établit certains faits qui t'est arrivé pour Nebuchadnezzar. And those facts you already know about them. Et vérité ça yo ou même ou déjà connais yo. In fact, that the second time we have read this portion for you to understand what exactly happened to Nebuchadnezzar. En fait, c'est deuxième fois que nous lisons ça encore pour vous pour capable mieux saisir ça qui est arrivé à Nebuchadnezzar. But he's putting it in a context to help Belshazzar understand what happened. Mais Daniel mettait lui dans un contexte pour aider Belshazzar pour bien saisir ça qui est arrivé. First of all, he said, Jehovah is the Most High. Non, en premier temps, il dit, l'Éternel, c'est le plus grand Dieu. Nebuchadnezzar was powerful. Nebuchadnezzar était plein de pouvoir. But God was
all powerful. Mais l'Éternel était le plus grand. Nebuchadnezzar had people worshiping him. Nebuchadnezzar était quelqu'un qui t'a adoré. But the whole universe fall before God and worship him. Tout l'univers lui-même est tombé devant le Dieu tout-puissant. In fact, he was the one who allowed Nebuchadnezzar to do what he was doing. En fait, c'est lui-même qui te permet à Nebuchadnezzar pour t'accomplir. He was the one who gave him the kingdom. C'est lui qui t'a donné le royaume, non? All the majesty, all the glory that he was enjoying came from the Lord. Toute grandeur, gloire, magnificence que le dégain sortit de Dieu. But when God bless you in such a way, mais le bon Dieu bénit de telle façon, it's not to display yourself. C'est pas pour vous capable de battre l'estomac. It's to display who He is. C'est pour plutôt faire connaître qui mon Dieu. The blessings God has given you. Les bénédictions qu'on recevoir de Dieu. It's not for you to puff up yourself. C'est pas pour même pour frapper l'estomac. To think you are better than somebody else. Pour comprendre que vous pire blouon passer l'autre. That you have benefited so much grace, more grace than everybody else. Parce qu'on tellement recevoir plus grâce passer toute l'autre. Non. It is to display God's grace and God's glory. Non, c'est seulement pour capable démontrer la grâce et la gloire de Dieu. Well, if you fail to do that, bon, si vous faillissez pour faire ça, well, don't have to tell you what will happen. Pas même besoin de dire qui ça va arriver. Just learn from Nebuchadnezzar. Juste apprendre de Nebuchadnezzar. In fact, that's the problem that we have with Belshazzar. Et songez, c'est exactement ça nous gagne comme problème avec Belshazzar. Why Daniel is recounting those things to him? Pendant que Daniel a fait rappeler le bagage ça. He said, you knew all those things. Daniel dit bagay sa yo c'est bagay qui t'est fait devant when God's judgment fell upon somebody else. Les jugements mon Dieu tombé sur l'autre monde. It's not for you to point fingers. C'est pas pour même pour pointer doigt sur monde. It's for you to learn. C'est pour vous pour apprendre. Because the same way God may come after you. Parce que c'est dans même façon l'Éternel aussi capable de faire. What happened to them should serve as an example to you. Ça arrive et doit servir d'exemple pour vous. Instead of gossiping about them. Au lieu que vous parlez au mal. Fall on your knees and ask God for mercy. Tomber sous genou, demander bon Dieu because it's not because you are better. Parce que c'est pas parce qu'on est mieux. Simply because God may have given you an opportunity to repent. C'est seulement bon Dieu une opportunité pour repentir. But if you are filled with pride, mais si vous rempli d'orgueil, just like God humiliated them, même Jean bon Dieu t'a humilié, God will humiliate you. Will humiliate you. Humilier aussi. So he told him what happened to Nebuchadnezzar. Alors Daniel dit lui mais qui s'est arrivé Nebuchadnezzar? When Nebuchadnezzar became so proud, il dit là Nebuchadnezzar devint si arrogant, so that his heart became hardened with pride, et que cœur lui devint endurci avec orgueil. He failed to glorify God. Il faillit pour glorifier Dieu. He failed to acknowledge where those blessings came from. Il faillit pour reconnaître qui côté bénédiction ça a sorti. He was reduced to the level of wild donkeys. Il était réduit au niveau des bêtes. He was eating grass. Il a mangé zèbre. He lost his senses. Il a perdu son sens. He was living like oxen. Il a vécu tant que bœuf. Such humiliation. Telle humiliation. For those who do not know how to humble themselves before the Lord. Pour ceux qui ne savent pas comment pour humilier devant le Seigneur. But something that interesting happened. Mais un bagage qui est intéressant aussi arrivé. God did that until. Mon Dieu fait ça jusqu'à ce que. Until what? Jusqu'à ce que. Until he humbled his heart before God. Jusqu'à ce que l'apprenne à humilier son cœur devant le Seigneur. Until he knew who God was. Jusqu'à ce que l'arrivée reconnaître qui mon Dieu est. Now, before looking at Belshazzar's sin. Alors, avant de regarder le péché de Belshazzar. Let me pause here and underline something that is very critical. Quitte me faut-il poser, ouvrir une parenthèse qui est très utile. Nebuchadnezzar was so proud that God humbled him to the level of animals. Nebuchadnezzar était si arrogant, bon Dieu t'a réduit au niveau des bêtes. But as you will see later on in the next sermon. Mais comme on va réaliser dans le prochain message là, Belshazzar didn't have a second chance. Belshazzar lui-même n'a pas de deuxième chance. Think about that. Pensez sur ça, oui. The way God dealt with Nebuchadnezzar. Façon bon Dieu t'ai agi avec Nebuchadnezzar. Wasn't the same way that he dealt with Belshazzar. C'est pas dans même façon il pral agi avec Belshazzar. Why he did that? Ça fait le fait ça? Because he alone has the prerogative. Parce que c'est seul bon Dieu qui a prérogative. To know when and to whom he is going to give mercy. Pour décider qui le et à qui moun que le pral faire grâce. Those of you who assume that you will have a second chance. Nous-mêmes qui toujours penser que wap gon deuxième chance. That sheer arrogance. Ça c'est arrogance que lié. No one here. Pas gain aucun d'entre nous là. Has a right to claim anything from God. Pour gain droit pour réclamer quoi que ce soit de Dieu. Everything that God does. Tout ça bon Dieu fait.
is by grace. C'est par la grâce. And by mercy. C'est par sa miséricorde. But for you to presume certain things about God. Mais pour même pour qu'il y ait certaines présomptions au sujet de Dieu. And to continue to play with sin. Ensuite pour continuer à jouer avec péché. Thinking that I will do it next Sunday. Pensez que bon dimanche prochain si Dieu veut marche. To think that I will act correctly when I reach certain age. Pensez que m'agis mieux l'homme arrivé à un certain âge. I will take God seriously after I graduate. M'apprends mon Dieu au sérieux l'homme vient graduer l'école. Playing with God's grace. Jouer avec la grâce de Dieu. Is like playing Russian roulette. C'est tant qu'on joue avec du feu. Because my friend, only God decides. Parce que chers amis, c'est seul bon Dieu qui est prérogatif pour décider. When he is going to forgive? Qui l'œil va le faire grâce? How long he is going to forgive? Pour combien de temps il va faire grâce là? Who is going to forgive? Qui monde qui va le jouir grâce là? To presume that he will give you a second chance. Et pour présumer que vous gagnez ou va gagner en deuxième chance. It's like you are expecting something that you can claim. C'est un coup où espérer, expecter un bagage qu'on capable réclamer. So we know people out there telling you you can come and claim this and claim that. Alors nous connaissons quelqu'un de là qui fait connaître que capable venir et puis réclamer. You can even claim God's forgiveness. Même capable réclamer le pardon de Dieu. Let me tell you something. Qui t'aime dire un bagage. You can only claim something that you deserve. Ou qu'à seulement réclamer un bagage que vous même vous méritez. Something that you have given somebody, you can claim it back. On bagage côté ba au monde, bon sou vlo gen doit prafo. But you cannot claim something that you don't deserve. Mais ou pas capable réclamer un bagage que pas mérité. You can beg for it. Ou capable pétitionner pour lui. You can plead. Ou capable plaider. You can hope for it. Ou capable espérer lui. But you cannot claim it. Non pas qu'à réclamer. You cannot claim God's forgiveness. Ou pas capable réclamer le pardon de Dieu. You can come before God and beg for his forgiveness. Vienne devant mon Dieu et supplier pour son pardon. But only God has the right to decide. Mais c'est seul mon Dieu qui a le droit pour le décider. When, qui le, how, comment, and to whom is going to show mercy. Et à qui qu'il va montrer miséricorde. Or you don't understand me. Et ou bien ou pas comprendre moi. We turn to Romans chapter 9. Bon, tournez dans Romains chapitre 9. The Lord says that himself. L'Éternel Dieu lui-même fait déclaration. I will have mercy on whom I have mercy. Il dit j'aurai compassion pour qui j'aurai compassion. I will show grace to whom I want to show grace. Il va montrer la grâce à monde que me voulait montrer. Nobody has the prerogative to presume upon that. Pas personne qui a prérogative pour capable présumer sur ça. Oh, I know what verse comes through mind once I say that. Bon, me connais qui verset monte dans tête tout pendant me John 1:9 if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins. Il dit si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. God's faithfulness and his righteousness. La fidélité et la justice de Dieu. Has to do with his own character. Il y a rapport à son caractère. They don't depend on you. Ça va dépendre de vous. He exercises his attributes. Il exerce ses attributs. In his way. Dans façon parle. In his time. Dans temps parle. According to his purpose. Selon son but. Remember what we learned last week. Songez ça nous t'ai appris la semaine dernière. Nobody can tell him, what are you doing? Pas que personne qui a posé la question pour dire, ça fait là. Because he knows how sincere your confession is. Parce qu'il connaît si confession yo sincère. The idea that I am going to sin and I know God is going to forgive me. L'idée que m'pral péché puis m'connais bon Dieu va pardonner. That's sheer arrogance. Ça c'est vraiment arrogance. You think you can get away with it? Vous pensez que vous capable à faire ça sans conséquence? Well, if you get away with it today. Bon, si vous pas qu'on subit conséquence là. That doesn't mean you're going to get away with it tomorrow. Ça pas veut dire que demain on pas subir. And that's why if God give you a second chance c'est ça today. Si bon Dieu bah ou jodi à là, en deuxième chance, tout profiter de lui. Take it now. Tout prendre. Today, jodi a, if you hear his voice, si vous entendez sa voix, don't harden your heart. N'endurcissez pas votre cœur. Like the fathers did. Comme vos pères ont fait. Today, aujourd'hui, is the day of grace. C'est le jour du salut, c'est le jour de la grâce. Today, aujourd'hui, is the day of mercy. C'est jour miséricorde là. That may be your last chance. C'est peut-être dernière chance qu'on gagne. Belshazzar didn't have a second chance. Belshazzar lui-même n'a pas de gagné une deuxième chance. God used patience with Nebuchadnezzar. Bon Dieu t'a montré patience à Nebuchadnezzar. At some point he even humiliated him. À un niveau, il est arrivé même humilié monsieur. But even his humiliation was a way of restoring him. Mais même humiliation Nebuchadnezzar là, c'est une façon pour te restaurer.
Belshazzar wish that God had humiliated him. Belshazzar lui-même souhaitait que le t'est passé dans même bagage papa Gampel là t'est passé. He didn't have that chance. Il pas de chance ça lui-même. So what happened to Belshazzar? Alors qui ça qui t'est arrivé à Belshazzar? The way Daniel presented the interpretation to him. Façon que Daniel présentait interprétation et écriture là lui-même. After telling him, giving him what happened to Nebuchadnezzar. Après que le fin raconte qui ça t'est passé Nebuchadnezzar. He's telling him basically. Il dit en tout premier lieu. You should have learned from history. Ou t'es supposé apprendre oui de l'histoire. When you see what happened to others. Là où est ça arrivé l'autre monde. Do you see what happened to the children of Israel? Ou t'es ouais ça t'est arrivé aux enfants d'Israël? Do you see what happened to Nebuchadnezzar? Ou t'es ouais ça t'est arrivé à Nebuchadnezzar? Now you're going to see what happened to Belshazzar. Donc on y aura le ouais ça arrivé Belshazzar. When you see what happened to somebody else's marriage? L'arrivé ouais ça arrivé dans mariage en l'autre monde. When you see what happened to somebody else in trial and tribulations? L'arrivé réaliser ça arrivé en l'autre monde dans tribulation. Don't point fingers. Pas plonger doigt sous monde là. Humble yourself. Humiliez-vous. And learn from it. Et puis apprendre de ça. And instead of saying why them. Au lieu que vous dites pour qui ça c'est eux-mêmes. Say why not me. Vous vous dites pour qui ça c'est pas moi-même. Why not me. Pour qui ça c'est pas moi-même. It's not you because God gives you grace. La réponse là c'est que c'est pas vous-même, c'est parce que bon Dieu fait grâce. But up until now. Mais c'est jusqu'à ce moment. What will happen next? Et qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Only God knows. C'est seul Dieu qui connaît. He said you failed to learn from Nebuchadnezzar. Il dit ou failli pour t'apprendre de Nebuchadnezzar. Perhaps Belshazzar knew exactly what happened to Nebuchadnezzar. Peut-être Belshazzar connaît très bien ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar. But like many of us, this is what he probably was saying. Mais même Jean avec. Non, peut-être mais ça monsieur t'a dit dans cœur. I will have time. Ma gain temps. What happened to Nebuchadnezzar will never happen to me. Ça t'est arrivé Nebuchadnezzar là, pas jamais arrivé. I'm not that bad. Ah, pas aussi mal qu'on se passe ça. What happened to Nebuchadnezzar is Nebuchadnezzar's business. Ça t'est arrivé Nebuchadnezzar, mon c'est affaire pas lui. But that will never happen to me. Mais moi-même ça pas jamais arrivé. You just being stubborn. Ou juste rebelle. You just being stubborn. Ou juste rebelle. What makes you think you are better than him? Ça fait penser que au mieux que l'autre. What makes you think you are better than her? Ce qui ça fait penser que au meilleur que sœur là. Perhaps worse could have happened to you if it wasn't for God's grace. Peut-être si c'est pas de la grâce de Dieu le pire t'est arrivé au. If you're still breathing, it's only by God's grace. Si tu continues à respirer, c'est seulement par la grâce de Dieu. Take the opportunity to humble yourself before God. Alors, prends l'opportunité à humilier devant le Seigneur. It's not because your child is better than his child. C'est pas parce que petit toi puis bon parce que petit l'autre là. It's not because you are more favored than he, this one or that other. C'est pas parce que puis bon parent parce que Mounsa ou non. It's only because of God's grace. C'est seulement par la grâce de Dieu. When you see what happened, lorsque vous réalisez ça arrivé, stop being invincible. Suspend penser qu'on est invincible. You are not that invincible. Non, ou pas invincible. What happened to him can happen to you. Ça arrivé l'autre là qui arrive au tout. Even worse. Et peut-être le pire capable arriver. Learn from what happened. Apprendre de ça qui est arrivé. Humble yourself. Humiliez-vous. Beg for mercy. Priez pour la miséricorde de Dieu. Return to God. Retournez vers Dieu. And he may show you grace. Et puis il va avoir pitié pour vous-même. He didn't learn from history. Mais monsieur pas t'apprendre de l'histoire lui-même. He failed to acknowledge who God was. Il faillit pour reconnaître qui mon bon Dieu est. He lifted himself against God. Il levait tête lui devant mon contre How Dieu. How did he do so? Et comment il t'est levé tête lui contre By Dieu? By dishonoring God's vessel. Lorsque il t'est déshonoré les ustensiles By de Dieu. By dishonoring God's instruments. Lorsque il t'est déshonoré les choses de By Dieu. By making a mockery of the worship that belonged to God. Lorsque il t'est fait une moquerie à bagaille qui était sacré pour Dieu. By playing with what was sacred. Il t'a joué avec bagaille qui sacré. That is the folly of arrogance. Alors ça c'est la folie de l'arrogance. Thinking that you can do that and with impunity. Penser que vous pouvez faire tout ça et puis sans conséquence.
My friend, the failure to honor God as God. Chers amis, la faillite pour honorer Dieu comme Dieu. The failure to worship God as God. Faillite pour adorer Dieu comme Dieu. And to even be thankful to Him in your heart. Et même pour montrer reconnaissance à lui dans le cœur. That what is causing God's wrath to fall upon humanity. Ça capable causer, c'est lui-même qui t'a causé que la colère de Dieu tombe sur l'humanité. That's what we read in Romans chapter 1 verses 18 to 32. C'est ça nous délit dans Romains chapitre 1 The condition of this world is getting worse and worse day by day. La condition de ce monde la vient de mal en pire. But it all begins with the failure to honor God as God. Mais il commençait tout d'abord avec la faillite pour honorer Dieu comme Dieu. When you fail to honor God as God. Leur faillite pour honorer Dieu comme Dieu. When you fail to glorify Him as God. Leur faillite pour glorifier lui comme Dieu. You either make yourself to be God or you worship somebody else. C'est soit ou faites tout Dieu ou bien on va adorer un autre monde. Or you worship what you have. Ou bien on va adorer son possédé. And God's rage is going to fall upon you sooner or later. Et la colère de Dieu va tomber sous peu. What he was doing in his defiance? Ça il t'a fait dans rébellion. He was defying God's glory. C'est que il était méprisé la gloire de Dieu. To have fun. Pour le cas pour un plaisir. Maybe bad enough. Ça passe seulement mais, mauvais. But to have fun at the expense of God's glory. Mais pour prendre plaisir et puis c'est au détriment de la gloire de Dieu. Is the worst thing that you could do for yourself. Ça c'est le pire que vous capable faire tête tout. Don't ever party at the expense of God. Pas jamais arriver à prendre plaisir au détriment de la gloire de Dieu. In fact, don't even go to the party where God is not being honored. En fait, pas même à l'en fête, à l'en plaisir côté bon Dieu. Because sooner or later, parce que sous peu, the party will be over. Parce que fête là pour le fini. And most of the time, it's over in a tragic way. Et en pile fois, fête là fini d'une façon qui est très tragique. The party may end in a very bad way for you. Faites la capable finir d'une façon qui très mauvaise pour. Belshazzar should know about God's sovereignty. Belshazzar te doit connaître au sujet de la souveraineté de But Dieu. But he would not humble his heart before the Lord. Mais il n'est pas capable d'humilier son cœur devant l'Éternel. He did not humble him enough to know that God is the Most High. Il n'est pas humble assez pour te réaliser que Dieu est le Dieu suprême. And whatever he held sacred should be held sacred by everyone. Tout ça lui-même l'a déclaré sacré. Il doit considérer sacré par tous. He defiled the sovereignty and the holiness of God. Il méprisait la souveraineté et la sainteté de Dieu. How are you doing it today? Et au même comment on fait ça aujourd'hui? What is worship for you? Qui sa adoration vle di pou? What is ministry for you? Qui sa ministère li vle di pou? What do you think this pulpit is for? Qui sa pense que chair la li la? What do you think this altar is for? Qui sa pense que l'hôtel la li la? What do you think those microphones are for? Pour qui raison qu'on pense microphones a eu? Why do you think God bring you here today? Sa fa pense que bon Dieu menon la aujourd'hui. It's not for you to have a good time. C'est pas pour même pour venir prendre plaisir. It's not for you to use those things for your own personal interest. C'est pas pour même pour utiliser bagage ça pour intérêt personnel. It's only for the worship of the Lord. C'est seulement pour l'adoration de Dieu. To do anything else. Pour servir avec ou faire quoi que ce soit. Would be a sacrilege. Qui différence c'est commettre un sacrilège. The mouth that is praising God. La bouche cap glorifier Dieu. Cannot be used for anything else. N'est pas capable d'utiliser pour quoi que ce soit. The feet that brought you here to worship God. La crête qui menait pour adorer Dieu. Cannot take you certain place that dishonor God. N'est pas capable menon l'autre côté tout qui va le déshonorer. The hands that are holding the Bible. Mais ça qui kembe Bible cannot touch things that are corrupt and immoral before God. Li pas capable manyen bagay ki corrompu et immoral devant Dieu. So how are you dishonoring God in your life? Alors comment on déshonorer bon Dieu dans la vie? What sacrilege have you committed? Qui sacrilège que t'es déjà commettre? What vessels of God have you misused? Qui instrument bon Dieu qu'on mal utilise? Your body is the temple of the Holy Spirit. Corps c'est le temple du Saint-Esprit. Set apart for God. Qui mis à part pour Dieu. How are you using it? Et comment on va utiliser corps? Yes, you use it to party. Oui, vous utilisez le pour faire pour aller en fête. You use it to give pleasures to yourself. Vous utilisez le pour prendre plaisir peut-être tout.
The bad news I have for you today. Mauvaise nouvelle que m'gain pour aujourd'hui. The party will be over soon. C'est que gon le cap privé fête la fini. And it may end tragically. Et puis il est capable finir de façon très tragique. But also I have good news. Moi aussi gon bonne nouvelle. Before the writing on the wall. Avant même que la main lui commence à écrire dans mur. You can repent and return to God. Capable repentir et retourner vers Dieu. In verse 23 we find a pregnant statement. Et dans verset 23 nous joignons déclaration importante. He said, "You have not honored the God." Li dit ou pas honoré le Dieu. In whose hands your breath is being held. Le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Do you know if tes voix. Do you know the fact that you were able to wake up this morning is a manifestation of God's grace? Est-ce qu'on connaît le fait qu'au réveillé matin, c'est une manifestation de la grâce de Dieu? How long will it take God to just snap that breath from your nostril? Combien de temps pensez que la prend mon Dieu pour le retirer souffle de vie à où? And that God you think you can despise? Et puis c'est Dieu ça vous pensez qu'on capable mépriser? You think that God you can dishonor? Vous pensez que c'est Dieu ça vous capable déshonorer? That God that you fail to glorify? C'est Dieu ça que vous failli pour glorifier? Your breath is in his hands. Souffle de vie que vous gagnez c'est dans plat main lié. Jonathan Edwards help us understand that very well. Jonathan Edwards aide nous à mieux comprendre ça. Sinners in the end at the end of an angry God. Il parlait de pécheurs dans la main de Dieu qui est en colère. The fact that you can make it to home from work is by God's grace. Le fait que vous avez quitté le travail là pour retourner à la caillou, c'est la grâce de Dieu. That should be enough to humble you before God. Ça doit suffire pour vous faire humilier devant mon Dieu. But when you fail to glorify God. Mais lorsque vous faillissez pour glorifier Dieu. When you lift up yourself before God. Levez tête tout devant mon Dieu. God will intervene. L'Éternel va intervenir. It will be too late. Et le salva trop tard pour. Belshazzar didn't have a second chance. Belshazzar pas de gain en deuxième chance. Now there are two ways the party can end. Alors il y a deux façons faites là capable finir. God can intervene and end the party. Bon Dieu qu'a vini et puis lui-même il suspend fête là. And put sorrow in your heart. Et puis lui mettez tristesse dans cœur. And cause you to fear. Et causer que vous tombez dans la peur. Or you can end the party. Ou bien ou même ou fini fête là. You come before him in tears of repentance. Vous rentrez dans présence d'lui avec des pleurs et de repentance. And that will be a glorious day for et you. Et ça c'est un jour glorieux pour vous. That will be your day of restoration. C'est votre jour de restauration. Because as you humble before the Lord, parce yourself before the Lord. Pendant que vous humiliez tête tout devant le Seigneur, he will lift you up. Et puis l'Éternel lui-même l'a levé. Not just socially. C'est pas seulement socialement. Not just morally. C'est pas seulement moralement. But particularly spiritually. Mais particulièrement spirituellement. You will be a different person. Vous voyez l'autre monde. And you live your life et on va vivre la vie où, to the glory of God. Pour la gloire de Dieu. May God bless you. Que mon Dieu bénisse. L'Assemblée a prié de se mettre debout afin que nous soyons capables de mettre fin à service nous maintenant pendant que nous pouvons chanter. Changer vie, changer cœur, mon Dieu. Faire l'Assemblée avec vous. Thank you.
faible coupable. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, notre Dieu, notre roi, Dieu fort, Dieu redoutable. Seigneur, nous remercions-vous pour grâce, pour amour, pour bonté dans la vie. Nous toutes, matin ça. Seigneur, nous bénissons, nous exaltons, parce que vous grand. Et nous jeunes voix nous avec voix salmiste le matin, côté que nous avons dit, c'est ici la journée que tu as faite. Et déjà la dernière, Seigneur, nous joignons 1001 raisons pour nous bénir et salmodier non. Seigneur, matin, nous t'es venu dans Pierre pour nous adorer où. Et où te permettre de nous faire lire, nous te jeunes voix nous avec voix angeaux, côté nous te loué non. Et nous te senti présent sous parmi nous matin, Seigneur. Et nous rassurer nous que après pardon péché nous, que nous sorti dans présence sous pardonner et édifier à salut. Seigneur, nous disons merci pour parole qui t'a prêché, qui t'a parlé à nous matin. Nous disons merci pour façon que tu as utilisé serviteur ou pour te parler à nous. Mais Seigneur, pas permettre que nous tourner des auditeurs qui oublient, mais permettre que plutôt, Seigneur, nous capables de prendre parole ou nous capables de serrer dans le fond que nous, même j'en dis dans parole ou, afin que nous capables de serrer parole ça dans que nous pour ne pas pécher contre vous. Oui, Seigneur, c'est écrit que nous, pour capables de changer la vie, nous transformer, nous prendre nous, tant coup argile, et former nous, façonner nous, de façon qu'on voulait l'enseigner, de sorte que nous capables, pour même des instruments, dans vie ça, afin qu'au côté nous va passer, Seigneur, le nous parler, le nous agir, capables, ouais, nous vraiment, en connaissance et en relation avec le seul Dieu, le Dieu vivant. Lui-même qui baille vie à nous et lui-même qui gagne un pouvoir pour le faire et de faire. Seigneur, nous disons merci pour tout ce qu'on fait, pour ça qu'on va continuer à faire. Nous voulons remettre minute la vie nous dans le monde, heure, journée, mois qui gagne pour venir. Nous soumettre tout dans le monde, sachant que nous sommes Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Vous êtes capable de faire pour nous au-delà de ça que nous méritons et au-delà de ça que nous-mêmes nous demandons. Oui, Seigneur, nous prions, nous demandons tout ça, c'est parce que nous bon, c'est parce que nous dit, mais nous prions au nom et par l'immérite de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit, lui qui règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la douce et intime communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour toute l'éternité. Amen.